Érudit, poète et humaniste italien, avec Dante Alighieri et Boccace, il compte parmi les premiers grands auteurs de la littérature italienne. Plus que Dante avec Béatrice, Pétrarque est passé à la postérité pour la perfection de sa poésie, qui met en vers son amour pour l'or. Pour beaucoup, l'ensemble de sa gloire, l'essentiel de sa renommée, la portée de son influence, tant stylistique que linguistique, tient uniquement à un volume, son immortel canzoniere, dans lequel il rénove la manière des écrivains du dolce stilno. La poésie. Erano i Capidora Laura Sparsi. Erano i Capidora Laura Sparsi, che i mille dolci nodi gli avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea, di quei begli occhi corne son si scazzi, e il viso di pietosi color fazzi, non so se vero o falso mi parea, i che l'esca l'amorosa al petto avea, qual meraviglia se di subito alzi. Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole suonavano altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, che fu il chi vidi, e se non fosse tale, o fosse, piaga per allentar d'arco non sa. Version française. Il était une fois des cheveux d'or qui s'envolèrent au milieu, et la lumière vague brûlait étrangement. Les deux yeux ne sont pas aussi faibles qu'ils paraissent. Et je les vis de la pitoyable couleur des farces. Je ne sais si c'était vrai ou faux, il me semblait que l'appât amoureux arrivait à ma poitrine. Quelle merveille a si vite brûlé! Les pas ne sont pas choses mortelles, mais angéliques formes. Et les paroles sonnent autrement, pour voix humaine. Un esprit du ciel, un vivant esprit solé, exista comme je vis, et sans limite, la pierre ne guérit pas. Une fois l'arc tombé. Merci. Allez, Français! Merci aux Français! Aux Italiennes, bravi.